Bonjour, je vais essayer de déterminer la hauteur de la tour Eiffel grâce à une allumette. Pour différentes raisons, je ne vais pas aller à Paris, mais je vais déterminer cette hauteur à l'aide d'une photographie 2000 fois plus petite que le modèle réel. Je recule. Je vais placer mon allumette perpendiculairement au sol et j'essaye de la déplacer pour qu'elle ait une hauteur correspondante à celle de la tour Eiffel. Un petit peu. Taupe! Je vais à présent prendre les dimensions de la situation. Tout d'abord, une vue d'ensemble. Comme vous le voyez, c'est une tablette dont l'objectif est à même la table qui remplace l'œil. La longueur entre la reproduction de la tour Eiffel et l'allumette est de 48,3 cm. La distance entre l'objectif et l'allumette est de 19,6 cm. Et enfin, la hauteur de l'allumette est de 4,7 cm. Commençons par modéliser la situation. Tout d'abord, nous avons la table qui représente le sol. Bien sûr, il y a la représentation de la tour Eiffel et un observateur ici. Et l'allumette est placée pour que la hauteur de l'allumette corresponde à la hauteur de la tour Eiffel. Voilà. Donc ça, c'est l'observateur que je nomme par exemple le point E. Ça, c'est la tour Eiffel que je nomme AB. Et là, il y a l'allumette que je nomme CD. Je suppose que l'allumette est perpendiculaire par rapport au sol et je suppose également que la tour Eiffel l'est. D'après les longueurs réalisées, la hauteur de l'allumette est de 4,7 cm. La longueur entre la tour Eiffel et l'allumette est de 48,3 cm. Et la longueur entre l'allumette et l'observateur est de 19,6 cm. En regardant la situation, j'ai l'impression intuitivement que le triangle CDE est une réduction du grand triangle ABE. Ici. On va essayer de prouver cela. On va prouver que les deux triangles sont semblables. Pourquoi sont-ils semblables? Car ils ont leurs angles égaux. Car ils ont leurs angles égaux 2 à 2. En effet, dans le petit triangle, cet angle-là, l'angle CED, CED est égal à l'angle AEB du grand triangle. Pourquoi? Ben, car c'est le même angle. Est égal à l'angle AEB, car ces deux angles désignent le même angle. C'est le même angle. C'est le même angle. Ils ont donc un angle en commun. De plus, nous avons supposé ici que l'allumette était perpendiculaire par rapport au sol. Donc l'angle ECD est un angle droit. De même que l'angle EAB, qui est aussi supposé être droit. EAB, car ils sont droits, c'est-à-dire ils mesurent 90 degrés par supposition. Et enfin, cet angle-là du grand triangle est égal à cet angle-là du petit triangle. Pourquoi? Car la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc comme cet angle-là est commun aux deux, et cet angle à celui-là, eh ben le reste pour arriver à 180 est le même ici et ici. C'est-à-dire que l'angle ABE est égal à l'angle CDE, car la somme des angles d'un triangle, car la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ainsi, nous avons prouvé que tous les angles du petit triangle
avait un homologue dans le grand triangle. Cet angle-là du petit est égal à cet angle-là du grand. Cet angle-là du petit est égal à cet angle-là du grand. Et cet angle-là du petit, je vais mettre deux arcs de cercle, est égal à cet angle-là du grand. Donc les deux triangles sont semblables. Or, si deux triangles sont semblables, alors ils sont un agrandissement, réduction, l'un de l'autre. Et ça veut dire que les longueurs des côtés homologues sont proportionnelles. Ça veut dire qu'on a un tableau de proportionnalité que je vais compléter ici. Je vais mettre ici, dans la première ligne, les côtés du petit triangle. Il a comme côté EC, comme côté CD et comme côté DE. Je vais écrire en dessous les côtés homologues dans le grand triangle. Le côté CE, son homologue, c'est le côté AE. Le côté CD, son homologue, c'est le côté AB. Et le côté DE, homologue BE. Je remplace à présent par les longueurs. La longueur EC est égale à 19,6. Tout ça, c'est en centimètres. La longueur AE est égale à 48,3 plus 19,6. Ce qui fait 67, j'écris ici, 67,9 cm. CD mesure 4,7. AB, c'est la hauteur de la reproduction de la tour Eiffel, c'est ce qu'on cherche. DE, on ne le connaît pas. Mais comme le triangle DCE est rectangle, on sait, et qu'on connaît deux côtés du triangle rectangle, on pourrait calculer longueur DE en utilisant le théorème de Pythagore. Mais ce n'est pas utile ici. Et longueur BE vaut longueur BE. Je cherche ici la longueur AB. Pour ce faire, je pourrais utiliser le coefficient de proportionnalité pour passer la première ligne à la deuxième. Ou bien utiliser le produit en croix. Ça veut dire que 19,6 fois AB est égal à 67,9 fois 4,7. Autrement dit, AB est égal à 67,9 fois 4,7 divisé par 19,6. 67,9 fois 4,7, ça fait 319,13. Et 319,13 divisé par 19,6, ça fait environ 16,28. Parce que le chiffre d'après est un 2, donc j'arrondis ici à 28. Là, j'arrondis à 0,01 cm près. Si je veux une valeur exacte, je peux transformer cela en fraction. Je multiplie ici par 100 pour me débarrasser de la virgule. Et les deux nombres ici sont des multiples de 7, donc je vais les diviser par 7. Donc la valeur exacte de la hauteur de la reproduction de la tour Eiffel est 4559 divisé par 280 cm, ou en arrondissant à 0,01 cm près, 16,28 cm. C'est bien. Mais nous, on veut une estimation de la hauteur réelle de la tour Eiffel. L'échelle est de 1/2000. Cela signifie que 1 cm sous la reproduction représente 2000 cm en réalité. La reproduction est 2000 fois plus petite que la réalité. Moi, la longueur de la reproduction est d'environ 16,28. Environ 16,28 cm. Je peux ici garder la valeur exacte qui est 4559 divisé par 280. Et donc, pour trouver la longueur réelle, je multiplie par 2000. 2000, c'est le coefficient pour passer la première à la deuxième ligne. Et 4559 divisé par 280 fois 2000, je vais directement simplifier la fraction, ça fait 227 950 septième, qui fait environ 32 564,3, bien sûr, centimètres. Je vais convertir cela en mètres. Pour ce faire, je regarde le chiffre des unités. Le chiffre des unités est dans la colonne des centimètres. Le chiffre des unités est des dizaines,
des centaines, des unités de mille et des dizaines de mille. Après, si je veux, je peux placer ici la virgule et le 3 des millimètres. Je veux mettre ça en mètres, donc j'aurai la colonne des mètres. Et comme je veux arrondir à 0,1 près, j'aurai ici le dixième qui est un 6. Et donc, après j'ai un 4. Et donc, la hauteur réelle de la tour Eiffel est d'environ 325,6 mètres. J'ai arrondi au décimètre près, ou 0,1 mètre près. En fait, la hauteur réelle de la tour Eiffel est d'environ 324 mètres. On a trouvé une très très bonne approximation. L'approximation est très très convaincante. L'écart d'environ 1,6 mètre, qui représente moins de 0,5%, est lié aux approximations des mesures effectuées lors de l'expérience. Voilà, merci.